Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, fourniture scolaire. Donc là, c'est fourniture 2023-2024, donc moi je passe en 5ème et là, quand on va arriver au magasin, je vais vous filmer. Mais c'est parti. Donc, les miennes de cette année, elles ont très bien tenu. Les trousses, t'en as pas besoin, c'était des trousses, c'est pas qu'on avait acheté l'an dernier. Elles sont même pas tachées, elles sont rien, c'est du coup, je vais les garder. Et j'ai plutôt genre changé de sac plutôt que changer de trousse. Donc, voilà, des sacs. En gros, mon sac, ça fait depuis, je crois 2 ans ou 3, je l'ai pas changé. C'était un ISPAC en plus. Oui, c'était un ISPAC et genre il avait des... et en fait, il allait pas avec mes tenues. Du coup, il fallait changer de sac avec mes tenues. Mais excuse-moi. Est-ce que là, du coup, on va... Là, c'est pour enfants, là, quand même. C'est plus ça, le cartable, c'est là-bas, hein, l'ISPAC. T'en as là en bleu marine. J'en ai donc un qui est pour moi et qui va pas, je sais. T'as des blancs. Mais qui a avec tout, il faut prendre des couleurs neutres alors parce que ouais, là. Dans la fête, on avait acheté un noir déjà l'an dernier, non? À celle-là, un noir. Mais en fait, j'ai peur que. T'as un sac, t'en as pas déjà des sacs, sérieusement? Non, non, j'en ai pas. En fait, je sais pas que si je prends un sac noir, et ben, c'est là-bas qu'il y a des sacs normaux. Non, mais là, les ISPAC ils sont là. Est-ce que tu veux prendre un ISPAC ou un normal? Oui, les ISPAC sont là-bas aussi. Non, mais tous les coloris sont là. Hein. Là, t'as du bleu, du rose, du bleu, du vert, du jaune. En fait, ce serait trop beau que je prenne un bleu. Mais après, t'as du gris, moi le gris, celui-là aussi, c'est bien, non? Ouais, j'allais prendre un gris comme ça, mais comme ça, genre un gris comme ça. Mais c'est lui? Comment c'est un gris? Mais ça, c'est blanc, c'est pas gris. Oui, mais genre un gris comme ça, de cette couleur, mais que la forme c'est comme ça. Mais c'est sûr? Non, mais que regarde comment il est. Ah, c'est pas les mêmes? Ah, oui, mais je crois que là, il y en a. Ah, oui, d'accord, oui, non, j'avais pas compris. C'est pas trop bon, genre comme ça. Ah, ben non, ben en foncé, t'as que le bleu, du coup, t'as celui-là. Ouais. Mais je crois là-bas ils sont plus gros. Plus gros, je sais pas. Foncer, noir. Moi j'ai l'impression qu'ils sont beaux. Mais ils sont petits ceux-là, t'as dit. Bon, alors comment on fait pour les sacs alors? Bah, en gros, du coup, à sac, l'année prochaine, elle va avoir un autre sac. Et du coup, bah, moi j'ai récupéré son sac. Mais donc tu prends pas de sac? Non. Bon, ok. Stylo 4 couleurs? En fait, moi ça fait longtemps que je les garde. Oui. J'en ai beaucoup, mais il faut que j'en prenne des rares. Ah non, mais là t'as une trousse remplie de stylos 4 couleurs, donc t'as pas besoin d'en acheter. J'en prends un rare. Si tu faut des stabilos, oui, regarde, t'as des petits stabilos là. En fait, j'ai trop envie de prendre des gros là. Au moins, je prends une trousse que j'ai chez moi. Regarde ceux-là. C'est les mini. Ouais, mais ils se vident vite. Hein. Ben oui, mais en même temps, il faut pas trop t'en servir. Qu'est-ce que je voulais dire? En fait, j'ai envie d'acheter ceux qui allaient 23. Au moins, je prends une grosse trousse et je mets tout ce qu'il y a dedans. Fais des plus gros zooms la prochaine fois. Les plus gros, je prends ma trousse, une trousse que j'ai chez moi, et je vais prendre ça, c'est sûr. Ça, je les prends. Ceux-là, chaque année, tu les prends, et franchement, ils font pas long feu avec toi. Pardon, parce que... je les ai jamais pris dans ma vie. D'accord. Si, l'an dernier, on les avait pris. C'est pas bon. Après, t'as ce style-là aussi, ils sont bien ceux-là. Non? Oh my god! C'est des souligneurs qui s'effacent. Genre, quand j'ai pas compris un truc, ben, je souligne. Après, genre, quand j'ai c'est effaçable? Mais... Oui, regarde. Ah, c'est trop bien ça. Non, mais, j'ai pas mais c'est des stabilos, non? Oui, c'est des stabilos. Ah, c'est pratique. Ah, il y a eux, il y a eux, il y a les deux. Bon, qu'est-ce qu'il te faut là alors? Bah, du coup, là, je prends des stabilos. Les stabilos, les stabilos. Bah, du coup, t'as. Et ça, c'est quoi? C'est bien c'est... ça, ouais, c'est quoi? Ouais, c'est des pastels. Ah, c'est que des pastels? Ouais. Ah, mais c'est différentes pointes, on dirait. Je sais pas. Ouais, c'est bien. Dedans, il y en a 12. Ouais, bah, tu vois, tu regardes. Ouais. Bah, du coup, ensuite. En fait, j'hésite entre eux. Oui, moi j'ai une ma trousse, c'est toute. Est-ce que c'est la peine juste que je vais pas prendre toutes les recharges si. Quelle recharge? Des stylos gomme. T'as pris quoi toi? Mais, les couleurs noires. Ça c'est pourquoi ça? Rouge. Mais stylos gomme. Mais est-ce que tu le demandes? C'est avec ça que tu vas écrire tes cours? Ouais. Ben prends-en que... quelques-unes, tu vas voir. Parce où, qu'en fait, quand je prends un paquet, ben il y a beaucoup de bleu, il y a pas beaucoup de rouge et tout. Et du coup, ben, t'en as pas où il y a tout dedans? Ben viens, viens voir. Vraiment, il y a des paquets. On aurait dû les faire à. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Quoi? Ah tout ça? Ah mais ça tout ça. Ça par exemple c'est des couleurs, c'est pas les. C'est des ah non ça c'est pas des couleurs avec quoi tu vas écrire. Hein. Et ben du coup c'est ça que j'ai pris parce qu'après là il y a des bleus mais que une rouge. Ah t'as trois bleus, ben là c'est bon, regarde, t'as trois bleus, un noir et deux et un de chaque en fait. Parce que tu vas utiliser le plus c'est le bleu. C'est pas le rouge et le vert, franchement. Mais en fait le truc qui me saoule c'est que je vais devoir aller en racheter à chaque fois. Ben recharges. C'est pas grave, ça c'est bon, c'est pas comme si c'était loin. Hein. Ben, tu vois, hein, mais moi je. Comme tu veux. Là t'as pris quoi du coup? Le stylo. Bon, faut pas que tu les perdes parce que là t'en as pris quoi? T'as pris ça? C'est les couleurs. Mais ça te fait l'année normalement. Ouais. Bon ben prends. Mais faut pas les perdre. Allez vas-y. Comment ça les perdre? Ben les perdre.
simplement les perdre partout, les perdre dans ton sac, les perdre dans ta trousse. Et toi regarde. Alors en plus, vous avez exactement les mêmes fournitures scolaires parce que toi, tu rentres en quelle classe en prochaine. Et Asya, elle rentre en quatrième et elles ont exactement les mêmes fournitures scolaires à prendre. Mais Asya, je me dis que Leïla, à 10 jours près, elle aurait été dans ta classe en sixième cette année. Ah oui, parce qu'elle est de fin d'année, elle est rentrée avant. Plus tôt, on va dire. Non, 10 jours. Non, mais tu aurais été en janvier. En janvier, tu aurais. Ça aurait été une 2012. Elle serait rentrée, mais avec un an d'écart. Bah, tant mieux. Dire, là, tu passerais en 6ème. Ouais, bah, moi, tant mieux, tant mieux. Je suis là en 0. Bon, ensuite, après les stabilos, il faut quoi? Oh, plus jamais. Alors Du coup, j'ai pris ça, maman. Ah, ça, tu cherches quoi? En fait, je sais pas quoi prendre. Mais du coup, je. En fait, si tu me laisses choisir, je prends n'importe quoi. Non, mais qu'est-ce que t'as besoin pour l'école? C'est ça le. Bah, des stylos quoi. Voilà. T'as vraiment. Non, mais ça, c'est surtout pour le dessin, vraiment. Pour le. Mais ceux-là, ils sont tout fins. Et prends ceux-là. Lesquels? Mais c'est bien. Non, mais ça, c'est pour le. C'est pour le dessin surtout, c'est pas pour ça, le travail. Lesquels? Elle te parle des stylos. Ah, bah après, les stylos, je pense que c'est plus loin, c'est là-bas. Hein. Ça, c'est non, tout ce qui parle, elle veut prendre des stylos comme ça. Non, mais ça, c'est pas pour écrire, c'est pour dessiner. Mais des stylos pour dessiner. C'est pour le film, maman. Ça, c'est pour dessiner. Oui, mais ça, tu vas pas écrire avec des feutres comme ça. C'est pas ça. C'est ça, 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 ça. C'est les mêmes. Non. C'est la même marque. Oui, mais si. C'est moins fin. C'est plus fin. Ah, d'accord, là, c'est pas la même pointe, du moins. Bah oui, c'est pas la même pointe. Bah j'en sais rien, moi. Ça change tout le temps. Moi, je prends un. D'accord. Après, t'as ce style-là, mais je sais pas qu'est-ce qu'il vaut, hein, à 5 euros. Prends ça. Ou eux, comme tu veux. Prends les deux. Non, mais de quoi vous avez besoin? Vous le savez maintenant depuis le temps. Bah, en fait, c'est une trousse quoi. Tu prends. Ouais, c'est prends pareil dedans. Chaque année. On dirait les profs, ils vont venir nous garder notre trousse. Non, mais là, c'est pas la. C'est surtout en dessin qui vous demande des feutres et des crayons particuliers. Ben oui. Ils des crayons noirs, 4 couleurs. T'en as 1 milliard de 4 couleurs à la maison. Mais je m'en fiche, maman, il m'en faut des rares. Des rares, tu les as tous? Eux, je lui ai gelé, ça gelé, ça gelé. Ça gelé, ça gelé, ça gelé. Ah, tu les as? Il y en a beaucoup, hein. Faut que je prenne eux. Ils sont jolis, ceux-là. Ah merde, lui, je l'ai déjà. Rose, eux, je les ai gold, déjà. Tu les as déjà? Elle est très quête, Leïla. Mais elle a tout le magasin. Mais c'est clair, elle les a tous. Tu en prennes des rares. Des rares. Ben eux. Ça, c'est ils des rares. Ils sont pas beaux. Ils sont pas beaux. Ça, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ah, eux, regarde. Il fait beau. Ah oui, ben je prends eux. Non, mais tu le prends pour le prendre. T'as déjà des 4 couleurs, ça va te servir à quoi? Ça, faut bien. Oh, là là. Oh, les gémeaux. Oh my god, ça y est, je prends lui, c'est bon. Mais tu l'as celui-là. Tu vois? Il est beau. Parce que c'est en fait, version licorne, c'est ça? Enlève, enlève. J'ai envie que ma trousse soit belle, belle, belle. Vous comprenez ce mot belle? Elle va survoler. Elle va tout survoler. Tant mieux pour elle, c'est elle le faire. Tant pis, toi, tu veux quoi comme stylo? Quelle pointe bah, tu moi, préfères? Moi, j'ai pris les shogun, mais je vais prendre juste un peu de couleur. Même si je sais qu'il va pas rester longtemps. Pourquoi il restera pas longtemps? Parce que t'inquiète. Mais si tu en prends soin, tu fais pas. Oui, tu vas le perdre à tous les coups. Je vais pas me le faire voler, je pense. Pas perdre. Oh là là. Ensuite. Ah, mais ils sont mignons ceux-là. Les blancs. Avec les petits chats. Non? Non. Ok? Non? Celle-là, elle m'a tenu toute l'année. Celle-là. Eh ben, du coup, il y en a une pour Asya et une pour moi. Ok. Mais elles sont grosses. Bah, allez. Voilà. Tu vois, parce qu'on a fait pour voir, vu que ça, j'ai déjà. Feu d'artifice. Je me demandais comment ça se fait. Attends. Après, ça dépend avec quoi. Qu'est-ce que tu aimes écrire? Est-ce que tu préfères écrire avec des pointes pointues, rondes? Hein? Pourquoi pas, oui. Après, tu peux prendre les gros trucs où il y en a plein dedans. Parce que ça va pas faire l'année. J'ai déjà les stylos gomme. Et du coup, ben, ça, il n'y a aucune utilité parce que je les utiliserai pas tout le monde. On pourra c'est pour moi et. Non, t'inquiète, prends pour toi et moi je vais prendre tout le monde. Non, mais attends, parce que 12 crayons à papier, ouais, te prends pour deux. Que pour toi et moi, ça devrait aller, non? Ouais, je pense. Celui-là, ben, c'est celui-là, c'est celui qu'elle a pris. Ben, et t'as ça. Elle. Bah oui, simple. Après, c'est juste pour, bah ouais, pour mettre du blanc quand tu te trompes, hein. C'est tout. Ouais, ouais, ouais. Bah, je crois que c'est quoi ça? Ah. Celui-là? Ouais. Ensuite? Et je vais prendre un crayon à papier parce qu'il y a des matières où ils demandent un crayon à papier. Et t'as pas besoin d'un HP pour le dessin aussi, non? Tu demandes pas cela? Comment ça, regarde pas? C'est des trucs comme ça. C'est ça pour le dessin. Mais il regarde même pas. Bon, ben tu fais quoi alors? Tu prends celui-là? Je prends ça, ouais. Et voilà. Donc là, t'as pris quoi du coup? Critérium, crayon et. Blanc. Il faut juste bon. Une gomme et un. Et ben, les gommes, elles sont là. Ouais, je me commande ça. Pas vrai, donc une où il y a 40 de gommes. Toi, t'en as deux. Pas une, là, t'en as trois carrément. Une, avec la girafe, mais bon, je crois pas que. Il n'y en a pas une où il y en a qu'une.
En fait, c'est que vendu par 3 ou 4. Ben, comme ça, si tu les perds, t'en retrouves. Regarde, t'as celle-là aussi. T'en retrouves. Yes. Ben, si t'en perds une, t'en as une. Tiens. Vu qu'il y en a 3. Qu'est-ce qu'elle a vu elle encore, madame? Je prends ça. Hein. Bah, est-ce qu'on est venu prendre de la colle Cléopâtre? Est-ce que je te rappelle qu'on avait pris toutes les couleurs possibles imaginables? Donc toi, tu prends ça en gomme? Ouais. Et là, je prends un tas crayon et c'est okay. Bon. Ah, bah regarde, t'as les gommes, celles-là, elles sont sympas. Regarde, il y en a 6 dedans. Ah, très fluo. Elles sont bien, hein, galets. Il y en a 6. Bah si, on dirait des pierres, en fait. Mais il y en a 6. Des pierres, quand même. Bah, des galets, c'est pour ça qu'on appelle ça des gommes galets. Et ciseaux, c'est des trucs qu'on achète chaque année et chaque année, il faut en reprendre. Ouais. Je sais pas ce que vous en faites, mais... Il en faut un... pas trop gros parce qu'à chaque fois dans la trousse ça galère. Tu fonds de lui mais lui je sais que je vais le perdre. Il est petit mais je sais que je vais le perdre. Mais ouais mais c'est pratique. Ouais. Ça c'est trop gros, si t'es dans ta trousse t'arriveras pas à la refermer. Voilà. Mais prendre des petits modèles, ben lui hein, je pense que ça c'est le plus petit. Hein. Ouais. Il y en a 2 je crois dedans, non? Oh ouais, le truc qui est chiant, c'est que si je gomme, je dois aller à côté de la poubelle. Oh ben oui non mais bon si tu prends un réservoir ils vont être plus grosses. Hein. Je vais avoir les stylos pastels et je vais avoir les feutres pastels. Non mais ça c'est pas des feutres ça. Si c'est les feutres et ça c'est les stylos. Mais prends, ouais. Non, prends un paquet où il y a les passés, il y a des passés si tu veux, mais avec des couleurs normales. Attends, c'est des couleurs normales non, parce une que couleur normale. Parce que c'est bizarre. Non, tu vas nous faire des. Tu nous fais ton cours de français là ou. Oh, regarde, je sais pas ce que c'est ça. C'est des gommes? Non. Non, c'est des tailles crayons. Relax. Oui, que voilà. Ah mais je crois que quand tu attrapes, quand tu... Non mais c'est mou en fait. Ah oui d'accord. Ah mais ça non. Ah oui celle-là elles sont petites, t'en as 2 dedans. Ouais mais ça si t'arrives à perdre des gros trucs, ça tu vas le perdre. Hein. Bah du coup ça, je prends ça, c'est bon. Tu prends quoi alors? Je prends ça. Le petit loup, il y en a un seul là, le gris? Ouais. Bah oui, bah écoute. De toute façon c'est juste pour pointer. Hein. Ça y est les crayons. Hein. Bah oui, c'est le but. Ok. Ah mince, moi je l'ai remis en place. Tiens. C'est et bon ciseaux, du coup. Ciseaux, c'est pareil, on en a toujours, on en achète toujours, il n'y a jamais. Ah, mais je vais prendre celui que je prends chaque année. 22 euros ça. Les deux? Non, un. C'est cher quand même. Tu reprends celui que je reprends chaque année, mais que je perds tout le temps? Ouais, mais fais gaffe parce que ça, c'est. Tu fais attention avec les embouts là. Mais il faut des pointus là. Il faut pas des. Prends-en des plus petits, c'est pour que ça rentre dans ta trousse justement, c'est peut-être pour ça que tu les perds. Non. Parce que tu les mets pas dans la trousse. Ah non, en fait, j'ai mis dans ma pochette de. Ah, mais justement, il faut une pochette. Une pochette de. Pour l'art plastique, tu sais, les pochettes épais, genre. Ah, ben on verra, ça c'est de l'autre côté, les pochettes. Ouais. Là, les compas, tout ce qui est compas, rect, t'en as besoin ou pas? Oui. C'est quoi? En fait, il faut un compas, mais pas dans une boîte, parce qu'après les boîtes, je les aime ça que je les perds. Ben les autres, ça, il est bien, mais il y a une boîte. Ben lui, si tu l'enlèves, il a plus de boîte. Mais t'as celui-là. Sinon, t'en prends avec une boîte, mais j'enlève la boîte. Non mais et celui-là il est tout petit, si t'en as besoin d'un, celui-là il fait l'affaire. Hein. Moi je vais réussir à utiliser ça là. Ben oui, c'est le but. On peut rester sur les mêmes, ils sont pas chers, ils sont bien. Elle est encore sur les feutres, elle. Non, oui. Non, sur les crayons. Oui, ben ça va. Ils sont pas chers, ils sont bien. Fais voir. Mais ils sont bien, ils font l'affaire eux. Prends eux, prends lui. Allez. Prends lui, d'accord. Toi tu prends ça? Et je prends eux comme ciseaux. Ben les compas c'est pareil, chaque prends année. Eux comme ciseaux. Non, mais c'est trop gros ça, ça va pas. Les ciseaux et le compas à chaque fois, chaque on année vous vous en reprenez. Non mais c'est dingue alors que normalement un ciseau quand tu l'achètes une fois, tu l'achètes une fois quoi. Ouais, il faut quoi ou des trombones pour les cours? Les trombones. Ah non, ça c'est une machine la trombone. Non, non, ça c'est les trombones, tout ce qui est trombone c'est peut-être derrière mais... Non parce que là les trombones c'est une machine genre carrément. Moi j'ai juste des trombones genre tu sais, une petite boîte genre que je peux mettre dans ma trousse. Ah mais ça c'est des gros trombones. Il n'y a pas de petits trombones là des... Non. Je pense pas qu'il y en ait là, ce que c'est scotch, petit crayon. Ça c'est une boîte. Il y a 100. Oh mais c'est un distributeur ça, faut t'acheter avec. Donc, oui c'est ça. Il y a pas mais distributeur, tu vas pas le prendre avec toi dans ta trousse. Mais c'est ça le truc. C'est... Parce qu'en fait j'ai pas de... Ah si. Ils sont colorés, pas grave. Ben c'est pas grave. Tu peux voir. Ouais, ils sont... Je prends ceux-là. Il y a toutes les formes. Ouais. Quelle couleur? Les mêmes, ils sont pas sûrs qu'ils sont bien. Avec les feutres. T'es encore avec les feutres depuis tout à l'heure, t'as acheté que des feutres. En fait, je regarde ce qui sont bien. Et voilà. Est-ce que je prends ça dans le caddie et on va faire. Allez. Bah, tout ce qui est cahier. Aussi, et... Je vais faire crayon feutre en deux speed, deux secondes. Et après, on va faire les feutres. C'est pareil, on est plein à la maison de ça. Ouais. Tu prends ça, ceux-là? Je sais pas, est-ce que tu en as besoin ou pas? Bah oui. Vous en avez plus? Non. Je trouvais des équerres et des compas partout, dans, tout au long de l'année, partout sauf dans votre chambre, sauf dans votre sac. Ouais, voilà, c'est vrai. Est-ce en fait, vous... moi j'ai pas de rose. Il n'y a pas de rose là. C'est vrai, oui. Est-ce qu'il vous en faut un, oui ou non?
Oui, on prend un déjà pour voir. Bah, ils sont trop beaux, c'est le packaging surtout parce que le fait c'est des basiques. Hein. Mais en fait, attends, l'année dernière j'avais pris ceux-là et j'avais pas de fait. Genre, j'avais. Oui, mais est-ce qu'ils durent dans le temps? Ouais. C'est ça le truc. Comment ça dans le temps? Parce que ça se conserve ou pas? Au cahier. Cahier 2. Celui-là, regarde, 1, 4 euros. C'est cher. Oui, parce que ça dépend quel marque tu achètes. Mais en fait, eux, je les avais pris l'année dernière et ils sont très bien suffis. Du coup, je vais prendre. Après, vaut mieux prendre un truc plastifié comme ça, au moins le carton. Comme ça. Ouais, ça a tendance à durer plus longtemps que les autres. Ça, c'est pour quelle matière, ça? En fait, là, pour espagnol, ils ont dit un cahier 36 pages, 21 sur 29. Moi, je trouve pas 21 sur 29. Il n'y a que 24 sur 32, les deux, c'est 24 sur 32. 21 sur 29. Espagnol, c'est fait, non. Il manque un paquet de copies simples. Bon, ça, on prendra après. Anglais, un grand cahier, 21 sur 29. Il prend une couleur chacune, un pour le français, un pour l'espagnol. Ça, c'est espagnol. Et ça, on va dire c'est anglais. Anglais, j'ai peur que. C'est quoi? C'est sur quoi? C'est quoi sur quoi? Et toi, du coup? Ton cahier d'espagnol, t'as pris quoi? Pour le cahier d'espagnol, t'as pris lequel? Je suis pas l'espagnol, moi. Ben, elle non plus d'ailleurs. Alors, elle cherche son livre, son cahier 21 sur 29. En fait, c'est le petit format hein, par rapport aux autres, quoi. Là, c'est 24 sur. Voilà. Donc, j'ai pris pour anglais et pour espagnol. Ouais. Du coup, là. Il me faut pour histoire géo deux grands cahiers. Deux cahiers grands. Comment faut deux? Bah, histoire et géographie, à mon avis. Ah ouais? Deux cahiers grands carreaux, 24 sur 32. 24-32, c'est ceux-là. C'est là-bas. Ils sont là, les 24-32. Tout ça, là. Ah, bah, du coup, ils sont là. C'est tout. Moi, j'ai fini avec les cahiers, là. Ça y est, c'est bon, toi? Ouais. T'as pris toutes les matières qu'il fallait ou il t'en faut encore? Par exemple, espagnol, grand cahier. Ouais. Musique, c'est bon. C'est la seule matière que tu gardes. Musique, musique, j'ai pris en cahier. Parce que j'ai perdu le mien. Oui. Oui, mais normalement, tu aurais pu garder le tien. Oui. Leïla, tu as gardé le tien du musique de l'an dernier? Oui. Donc c'est bon? Ouais. Ensuite, c'est mathématiques. Voir la rentrée avec le professeur, du coup, j'ai rien. Mmh. Et, physique, chimie, un grand cahier, 24 sur 32. Donc, 24. Essaie de prendre des couleurs différentes, au moins tu t'embrouilles pas avec les matières. Hein. En fait, c'est là, ils sont. T'as pris deux violets, moi. J'aurais pris toi, je changerais de. Essaie de changer de couleur, d'en prendre. T'en as des. Bah, du coup, ouais. En jaune, t'en as pris en rose déjà. En gris ou sinon, regarde, gris comme ça. C'est 24 sur 32 ? Ouais, c'est. Oui. Bah, gris, voilà. Tu prends un gris, un rose, un bleu. Et tu changes selon la matière. Ok. Mets tout dedans et on verra ensuite, on va voir les classeurs pour l'autre matière. Ça c'est Asia, de ce côté. T'en es où toi alors? T'as pris quoi? T'as tout fait? Si, j'ai pris ça. Les pochettes pacifiées, tout ça. Par contre ça, je sais pas si je le prends, j'ai vu ça comme ça. En fait tu vois, au lieu de prendre une pochette en plastique, je dois reprendre un trio. Pour les feuilles en fait, et ben, je les range par matière, etc. Comme vous avez fait cette année. Est-ce que ça t'a servi? Oui. Ça t'a servi? Oui. Mais non, mais t'as pas l'air convaincu donc. Bon, en fait, cette année, vous avez pas compris, cette année, je me reprends. Elle se reprend en main parce que l'an dernier, elle a fait un deuxième semestre, même si c'était bien, elle aurait pu faire encore mieux. Mais elle se reprend, est-ce que tu vas te reprendre dès le premier et pas te défaire au deuxième? C'est pareil, c'est genre, en fait, au premier, c'est très bien, mais au deuxième, c'est moins bien. Non, moins bien, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien, mais t'aurais pu faire encore plus. Genre, en fait, je révisais pas le contrôle des trucs, mais les bonnes notes quand même. Oui, mais c'est pour ça que tu aurais pu faire encore mieux, mais ça c'est pas un bon exemple à suivre, il faut réviser, être sérieux. Ah, j'ai pas pris Stabilo. Ça t'en a besoin ou ça? J'avais fait Bristol. Ah bon, c'est pour quelle matière? Bien sûr. 47 centimes. Non, là, c'est pas cher ça, c'est et quoi? En plus, moi je voulais d'autres transparents, donc c'est bon. Ah bah c'est bien. C'est tout. Deux secondes, je prends des fleurs. Oui. La source. Ça c'est pour quelle matière déjà? Je sais pas, mais moi je suis dans le classeur. Non, mais tu prends pas des classeurs comme ça juste pour plaisir d'avoir des classeurs. Pas SVT. C'est un volant. Je sais pas, regarde. Hein. Il y en avait un où il te fallait un classeur souple. Je crois que c'était SVT. Ah oui, c'est là. SVT, oui. Un classeur souple A4 gros anneau. A4 gros anneau. J'ai pris ça parce que c'est des stylos. A4 gros anneau. Parce que les épées ils rentrent pas dans ma trousse. Voilà. Mais ça, c'est pour quoi faire? Bah, c'est des stabilos. Pour souligner tout ça. Ouais, ça, voilà. C'est comme il a abîmé un peu celui-là, hein, on dirait. Mais je comprends le prix. Ils sont ils sont jolis ceux-là. Ouais, ils sont pailletés, mais je sais pas si on arrive à bien voir là. C'est quoi souple A4 à gros anneaux? C'est des gros anneaux ça? Bah ouais, c'est des gros anneaux. Ah non, bah vachement. Leïla, c'est pas des gros anneaux, c'est des petits anneaux ça. Les gros anneaux, c'est sur à côté là. Les gros anneaux, c'est là. Mais c'est eux.
Ah, souple, ils t'ont dit souple, madame. C'est comme ça qu'on avait la dernière. Souple, mais à gros, oh non. Ah ben. Non, il est pas souple, lui. Mais prends, ils sont pas souples. C'est celui de l'année dernière. Mais oui. Moi, je garde celui de l'année dernière. Mais non, mais ils sont là, un bah, si t'en as un, tu le gardes. C'est gros anneau, ça. Mais elle a dit qu'elle en avait un déjà. Oui, je le tiens, je le garde. Ah bah tu le gardes, si t'en as un. Vu qu'il était trop beau, en plus, il était. Bah oui. Il est blanc. Non, en fait, il est violet. Je sais pas si je l'ai, parce qu'en fait, tu vois, mes cahiers, ils étaient tout jetés. Et je sais pas si j'ai jeté mes classeurs ou pas. Tu sais que le but c'est de jeter de l'intérieur mais pas le contenant quand même. Du coup en fait je sais pas si j'ai jeté mes classeurs ou pas. 6 intercalaires. Et bah alors là c'est pas moi qui te le dire à ta un place. Un classeur souple à 4 fins. Un classeur souple à fin. Bah celui-là tu peux prendre l'autre du coup. C'est pour la technologie. Non mais il faut petits anneaux. Oui, petits anneaux. Ah, okay. C'est bon, t'en es où là? Du coup, après, ils ont dit pour les autres matières, les feuilles à 4, les intercalaires. Mais non, les intercalaires, tu les as pas prises. Oui, les intercalaires, mais j'ai fini tout ce qui est voilà. Comme... Ben regarde, viens voir les intercalaires là. Il n'y a pas les marrons comme l'année dernière, genre les toutes. En bois là, en effet bois. Que les toutes colorées, j'aime pas trop. Style un peu boisé là. Ouais, voilà, boisé comme tu dis. Ben prends. Soit vous avez du plastique, soit vous avez du carton. Plastique, on ne peut pas écrire dessus. Là, il y en a beaucoup. Hein. Plastique, on ne peut pas écrire dessus. Là, il y en a 12. Bah, tu mets des petites étiquettes dessus. Si, oh, bien joué. Oh là là. Bah, je vais prendre en plastique. Ah, tu prends quoi alors? Moi, je suis en plastique. C'est quelle? Celles-là, elles sont un peu en plastifié. Tu auras du mal à écrire dessus. Hein. Ouais, à part si tu mets des étiquettes comme les mets, voilà, ou alors tu les laisses en sachant les couleurs. Mais bon, ça va être compliqué. Ah, ça, les feuilles doubles, c'est bon, on a à la maison. Lesquelles? À 4 feuilles doubles. Grand carreau? Petit carreau, on a. Faut prendre des grands carreaux. Non mais est-ce que t'as pris des intercalaires déjà? Pochette transparente performée. Ah c'est performée? Ça. Performée? Performée c'est bon. Perforée. Pas performée. Performée. Performée, performée de quoi? Qu'est-ce que tu veux, des pochettes transparentes? Performée. Non, j'ai déjà pris deux paquets, t'inquiète. Okay, ah bah c'est bon, ok. Parce que, parce que cette année, vous avez 4e et 5e. Vous avez exactement les mêmes fournitures, je sais pas pourquoi, mais bon. Très bien. Mais je pense que les, enfin, peut-être pas les 6e, mais les 3e aussi, du coup, ils ont dû faire une. Parce qu'elle a dit qu'ils avaient fait des listes universelles. Un crayon HB, un stylo 4 couleurs, une gomme, un crayon, 10 ciseaux, un crayon de couleur 10, ciseaux, colle, souris, correctrice, pas de blanco. On va prendre ça pour l'art plastique. Pour. Ah, moi aussi, m'en faut une. Bah, vas-y. Moi aussi, m'en faut. Est-ce que je la garde, c'est l'année dernière? Oui, je garde, c'est l'année dernière. Du coup, ben, moi, c'est fini. T'en es sûre? T'as pris les feuilles... L'école, on en a à la maison, j'avais vu. Tout ce qui est colle, est-ce que t'as pris des grandes feuilles, grands carreaux? Là, je vais les prendre de suite, moi. Ouais. C'est assez qui sont chers des feuilles. MD. Là, les porte-vues, tout ça, vous en avez pas besoin? Non. Vous êtes sûre? Cette année, j'en ai pas. Moi, j'en ai pas. Et tout ce qui est là aussi, vous en avez pas besoin? Bah, c'est quoi? C'est des pochettes? Pour quelle matière? En fait, c'est noir plastique. Je sais pas ce que je garde. L'année dernière, est-ce que je la garde ou est-ce que j'en prends une autre? Ben, si elle est encore bonne, pourquoi gaspiller? Elle est un peu déchirée. Non, ça sert à rien de gaspiller. Je la garde. Tu garderas pour acheter autre chose? Ouais, c'est bon. Non? Je sais pas où elles sont les feuilles. Les feuilles, elles sont là-bas au bout. Tout au bout, tout au bout. Du coup, ben, moi, c'est. Oh my god! Quoi? Non, c'est dedans, il y en a 12. Non, mais c'est pas grave s'il y en a 12. Tu fais deux fois 6. Non, il m'en faut qu'un de Arthur Kraler. Mais non, il t'en faut pas qu'un. Si, moi, il me faut un. Non mais il n'y en a pas 12, il y en a 12, mais il y a 12 coloris en fait, c'est ça que t'as pas compris. Oui mais ben oui, t'en faut un, tu le prends, c'est tout. Non, après t'as ceux-là, mais c'est plus pratique pour écrire dessus. Oui c'est bon, ça peut regarder. Non mais est-ce que t'en as pris un? Oui j'en ai pris. T'en es sûr? Oui j'ai pris 16. Parce que là vous avez tous les prix là, vous en avez, ça va de 1€ à 5€. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris les moins chers. Non mais ça fait grave vite parce que la moitié des choses on les avait déjà aussi, vous les avez conservées. Qu'est-ce qui vous manque là? J'ai regardé 0 fois sur ma liste. Ben regardez, vérifiez une dernière fois pour voir si tout est bon. Ça c'est fait. Oui, mais on m'a pas demandé d'agenda. Ça c'est fait. Ben avec Pronote, y'a pas besoin d'agenda. C'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Moi je mets plus rien sur Pronote, vous mettez avec l'agenda. Oui. Qui a dit ça? Il y a des profs, ils veulent pas. Ben je sais pas, mais bon, l'an dernier, votre agenda, ça n'est pas servi. Moi je garde celui que j'avais au début cette année. Non, moi il est plein. Moi je garde celui que j'avais cette année. Bah mais ça sera pas les mêmes jours, les mêmes. C'est bon, c'est ça. C'est bon, vous avez fini? On va vérifier une dernière fois dans le caddie, puis si c'est bon, ben on y va. Ok. Donc là, pour toi, c'est bon alors dans le caddie. J'aime trop les petites couleurs roses comme ça. Le vert, il gâche tout, ça m'énerve. Bah, le vert, c'est joli le vert. Non, il va pas avec le thème. Regarde sur le thème, tu vois. Attends, tu vois ce que je veux dire? Ils sont tous. Oui, pastel, bon. Alors, ce côté, c'est à toi, celui-là, c'est à Asia. Et voilà. Bon, on verra bien.
Donc vous avez fini là sur Ouais, sur. Voilà, on a vérifié si elle fait ses dernières cherches en classeur. Je peux vous dire que je vais mourir, clairement. Ouais, passage en 5e, ça sera moins compliqué que la 6e déjà. Enfin, je sais pas. Moins compliqué ? Enfin, façon de parler. Pas des bons, du coup, je regarde si je les ai jetés. Asia va te donner des conseils pour la 5e. Bah, prends le même coup. C'est quoi, toi, qui passes en 4e ? Vas-y. Franchement, pour ceux qui passent en 5e. C'est rien, il faut juste réviser, être sérieux comme d'habitude, quoi. Non ? Ça passe super vite, par contre. Bah oui, mais l'année passe vite, donc c'est pour ça. En fait, c'est parce que... En fait, 5e, t'apprends un peu de nouvelles choses. En fait, t'apprends des nouvelles choses qu'en France, en maths. Oui, maths, parce qu'après, c'est des révisions. En fait, il faut juste bien écouter en maths. Parce qu'en maths, c'est en 5e quand tu commences à faire des calculs avec des lettres, etc. Ah oui, que ça devient compliqué. Mais oui. Juste, tu me prends un classeur petit anneau. C'est pour quelle matière? Pour la technologie et après SVT, j'ai à la maison. Ok. Technologie, c'est petit carreau. Ouais, c'est mon petit anneau. T'as pris lequel alors? Le blanc? Oui, le même. Mais il est pas un peu abîmé, lui, on dirait, là. Non? Ah ouais. Non, quoique bon, je pense. Qu'est-ce que t'en penses? On s'en fout. Quoi qu'il a la paillette. Bon, ok. Donc voilà, on a fini les fournitures scolaires 2023. 2024, 2024, 4e et 5e. Ça veut dire que là, dans un an, je passe le brevet, genre ? Ben oui, dans un an, tu passes le brevet. Léa, tu vas passer les CR1. Trop facile. Et voilà, donc on va dire que ça, c'est la fin de la vidéo. Hein. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre plein de vous abonner. Et bien sûr, ben, on se retrouve. Et du coup, on fera une partie 2, comme d'habitude, où on montre. On vous montrera, oui, de plus en détail toutes les fournitures. Voilà, bisous. Bisous.